La première année que le vieux vélo fêtera Noël. J'ai le petit train à pile qui est juste folklore et qui fait un peu de musique. Ça m'a plu parce que ça m'a rappelé quand j'ai eu moi mon train électrique. Enfin, le dernier que j'ai eu, c'est en 80 au lancement du TGV. Mon père m'a offert le train, mon oncle m'a offert les rails et ma grand-mère m'a payé le transfo. Parce que cette attention, c'était pas n'importe quoi. Hein. C'était du jouet, c'était de la boutique du modélisme rue de Bernière à Caen. C'est pas récent. Mais j'ai donné à mon neveu depuis, parce qu'il y a un moment que je joue plus au train électrique. Mais c'était superbe. Le TGV orange, le premier TGV. Qui avait des rails bien à lui, parce que, et comme le vrai, il peut pas tourner complètement, sinon il déraille. Donc les rails, et la courbe était moins importante. Voilà. Alors ça m'a amusé en montant ce train merdique là, pour le sapin, qui n'a rien à voir en qualité mais qui est rigolo. Bon ben voilà. Donc ça, le train, ça, voilà. Il fallait un petit train parce que c'est beau. J'aime beaucoup les vitrines de magasins. Quand j'allais sur Paris, Champs-Élysées, tout ça, il y a des vitrines ou la rue de Rivoli, où il y a des mobiles magnifiques, des choses somptueuses. J'ai fait le Père Noël pour le CE d'où j'ai bossé. Voilà. J'ai fait le Père Noël pour des particuliers. À minuit, ma grand-mère m'avait fait un superbe habit de Père Noël. Mais alors là, attention, de la vraie fourrure, tout le merdier, une superbe barbe, la perruque, tout. Je partais en voiture habillé comme ça, c'était pour rien. Je partais à minuit. Ça m'a valu quelques courses à pied un peu amusantes parce que les chiens n'aiment pas forcément le Père Noël. Alors les gens laissaient la brouette de cadeaux au portail. Et puis, ben, moi, je garais ma voiture, j'ouvrais le portail, j'attrapais la brouette de cadeaux, forcément, il est minuit. Et puis, pendant que les gens filment, en général, des grandes propriétés avec une immense allée dans le noir, sinon c'est pas drôle. Et là, le chien, lui, pour lui expliquer qu'on n'a pas baisé la brouette de cadeaux, qu'on est là normal, quoi, ben, lui, il court. Alors, ben, il faut faire comme le chien, mais essayer d'être devant le chien. Enfin, si on est derrière, c'est pas mal non plus. Mais enfin, en général, faut courir plus vite que le chien. Et donc, sur le film, ça fait limite, quoi. Et là, un des gamins, une fois, a dit « Ah ben, le Père Noël, il a volé la brouette à papa. » Donc, oui, j'ai fait le Père Noël. Je l'ai même fait pour la commune. Je l'ai fait pour Rogne une fois, tout un après-midi, à distribuer des bonbons et des chocolats. J'ai plus envie d'abord, et puis j'ai jeté mon habit, ça je regrette parce qu'il était vraiment très beau. Je pense qu'il mûrait encore parce que j'ai pas beaucoup maigri et ça doit encore aller largement. Thank you.